Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui à la présentation de la promotion de la santé. Aujourd'hui, on va parler de bouger à la maison, le guide ultime de l'exercice avec le poids du corps. Le poids du corps, il y a beaucoup de gens depuis la COVID spécialement qui ont commencé ou qui ont continué à s'entraîner à la maison. Puis aujourd'hui, la présentation va juste vous donner des idées de quoi faire à la maison, de comment vous entraîner à la maison pour prévenir les risques de blessures et pour augmenter la motivation aussi. Donc, encore une fois, bienvenue et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. La présentation aujourd'hui, on va se concentrer sur les connaissances en matière de fitness. On va aussi parler de comment établir des objectifs quand ça vient pour votre entraînement. Et puis, à la fin de la présentation, on va parler de motivation. Tout au long de la présentation, on va aussi parler à quel point c'est important de faire les bonnes techniques avec la bonne forme, avec pour les exercices que vous faites à la maison pour réduire vos risques de blessures. Toute l'information qu'on a prise pour faire cette présentation, aujourd'hui, ça a été tiré de notre cours les stratégies de réduction des blessures dans les sports et l'activité physique. Ça, c'est un des quatre volets ou quatre portfolios que la promotion de la santé on parle. Fait que beaucoup d'informations ça a été tiré de ce volet-là, de ce portfolio-là. Pendant la présentation aussi, on va aussi parler si vous entraînez à la maison, si vous avez un plan d'entraînement à la maison. Comment vous pouvez modifier votre plan d'entraînement pour vous donner un peu plus de challenge. Avant de commencer la présentation, on va juste parler un peu de la définition de l'exercice. Comme vous pouvez voir à l'écran, l'exercice est une activité physique qui est structurée et se fait à une certaine intensité pendant une certaine durée. Donc, l'exercice, quand vous faites de l'exercice, c'est quand que vous mettez de côté du temps dans votre horaire et c'est un exercice qui est structuré, donc vous avez un plan. Et vous savez, ça dure pendant une certaine durée. Comme par exemple, vous savez qu'à midi, de midi jusqu'à 1 heure, vous allez faire de la course. Donc ça, c'est un exercice. C'est important de reconnaître c'est quoi un exercice parce qu'on va parler beaucoup d'exercices pendant la présentation. La deuxième définition qu'on va parler, c'est la forme physique. La forme physique, ça réfère à la capacité du cœur, des vaisseaux sanguins, des poumons et des muscles à fonctionner à un niveau élevé d'efficacité. C'est qu'est-ce que notre corps a besoin, c'est l'exercice. Donc, notre corps a besoin d'exercice, donc plus qu'on fait d'exercice, plus qu'on va augmenter, plus qu'on va élever notre forme physique. On est vraiment chanceux de travailler avec une organisation, les Forces canadiennes, qui mettent vraiment l'ampleur ou l'importance sur la forme physique et vous avez du temps habituellement dédié à votre entraînement personnel, soit le matin ou pendant la journée. Donc, on est vraiment chanceux que les forces sont capables de reconnaître que oui, on a besoin de travailler sur notre forme physique, on a besoin de faire de l'exercice. On a parlé que notre corps a besoin d'exercice et de faire de l'exercice de façon régulière, ça a des tonnes et des tonnes de bienfaits sur notre santé. Si vous remplacez vos comportements sédentaires par plus d'activité physique ou si vous remplacez l'activité physique que vous faites de faible intensité à de l'intensité modérée ou vigoureuse, et si vous dormez bien la nuit, si vous reposez bien, ça a encore plus de bienfaits pour la santé. Souvent, on relie l'exercice avec les bienfaits de la santé, mais oui, ça a vraiment beaucoup de bienfaits sur la santé, mais ça a aussi des bienfaits sur la santé psychosociale. Ça a des bienfaits sur notre côté, sur le mental aussi. Le mental puis notre corps, c'est vraiment, il y a une connexion directe. Puis souvent, les gens oublient à quel point de faire de l'exercice, oui, ça va aider votre force mentale aussi. Vous pouvez voir dans le corps est vert en bas de l'écran, tous les bienfaits pour la santé. Je vais vous les laisser les lire, mais aussi rappelez-vous les bienfaits que ça a sur la santé psychosociale. Faire l'exercice de façon régulière, ça va diminuer votre niveau d'anxiété, ça va réduire les risques de dépression, réduire les risques de démence, ça va aussi améliorer les niveaux de cognition, puis en général, ça va améliorer votre qualité de vie en global. Maintenant que vous savez que notre corps a besoin d'exercice, on a parlé de tous les bienfaits que l'exercice a, oui, sur la santé, mais aussi sur le côté psychosocial. Maintenant, on va parler du processus d'exercice. Donc, quand vous voulez faire de l'exercice, quand vous voulez faire de l'activité physique, on va parler du processus. La première affaire que vous devrez faire, c'est avoir un bon échauffement.
Encore une fois, tiré de notre cours, la prévention des blessures. À chaque fois que vous faites un bon échauffement avant votre entraînement ou avant l'activité physique, ça va réduire vos chances de blessures de 40%. Donc, l'échauffement est vraiment beaucoup important. Ça va préparer votre corps à l'exercice qui s'en vient, mais ça va aussi vous préparer mentalement à l'exercice ou à l'activité physique qui s'en vient. Un échauffement devrait être de 15 à 20 minutes, puis ça devrait être des exercices spécifiques à l'activité physique que vous allez faire ou à l'exercice ou à l'entraînement que vous allez faire. Si vous faites des étirements pendant l'échauffement, assurez-vous que ce ne soit pas des étirements statiques, mais des étirements dynamiques. Par exemple, quand on fait des étirements statiques, c'est que vous avez une certaine position et vous la gardez pendant 15 à 30 secondes. Ça, c'est considéré comme des étirements statiques. Si vous faites des étirements dynamiques, oui, vous allez étirer le muscle, mais vous le faites de manière dynamique. Soit par exemple, si souvent, avant d'aller faire une course, un étirement dynamique qu'on peut faire, c'est si vous êtes capable de vous imaginer, vous êtes debout, côté perpendiculaire à un mur, vous tenez le mur avec votre main et en gardant la jambe tendue, la jambe étirée droite, vous allez la swinguer en arrière en avant, tout en la gardant droite. Puis ça va être considéré comme un étirement dynamique parce que vous faites, c'est de manière dynamique que vous faites l'étirement. Vous allez sentir l'étirement dans votre ischio-jambier, le muscle en arrière de la jambe, mais vous le faites de façon dynamique. Donc, encore une fois, c'est super important de faire un bon échauffement. Ça va réduire vos risques de blessure. Puis ça va préparer votre corps à l'exercice, mais ça va aussi vous préparer mentalement à l'exercice ou à l'activité physique qui s'en vient. Donc, après un 15 à 20 minutes d'échauffement, maintenant, vous êtes prêt à faire votre exercice. Ça peut inclure le cardio, ça peut être un entraînement musculaire, un entraînement de force en gym ou à la maison, ou ça peut être un entraînement de ce journée-là, vous focussez sur la souplesse ou des exercices de flexibilité. C'est super important dans votre plan d'entraînement que vous incorporez des exercices qui sont variés. Donc, pas à chaque jour, vous faites les mêmes exercices, mais vous avez des exercices différents selon la journée. Donc, par exemple, vous pouvez faire du cardio le lundi, le mardi, vous pouvez faire un entraînement de force du bas du corps, le mercredi, ça va être un petit peu plus mollo, vous pouvez faire des exercices de flexibilité. Jeudi, ça peut être un des exercices de musculation du haut du corps, puis le vendredi, vous pouvez faire un autre exercice de cardio. Fait que ça va changer un peu la routine aussi. Ça va changer avoir des exercices variés, ça va comme challenger votre corps à s'adapter aux nouveaux exercices. Ça va réduire vos risques de blessures aussi parce que vous utilisez différents groupes musculaires en faisant des exercices variés. Si vous faites tout le temps les mêmes exercices journée après journée, ou si vous ne changez pas souvent, votre corps va s'habituer, fait que vous n'aurez pas le processus d'adaptation ne va pas être là. Quand on parle de faire un plateau, c'est votre corps va s'habituer à ça, puis vous n'allez pas vous améliorer. Fait que vous allez avoir un plateau. Puis aussi, les risques de blessures sont plus élevés dans ce temps-là parce que vous ne donnez pas à votre corps le temps qu'il a besoin pour se reposer, pour réparer les muscles que vous avez entraînés. Aussi, incorporer des exercices de saut, de réception, de squat, de changement de direction. Essayez dans vos exercices aussi que vous faites à la maison de faire ça mimique des exercices que c'est des movement patterns que vous faites à tous les jours. Par exemple, si vous faites des squats, ça c'est un exercice fonctionnel parce que c'est un des squats, c'est on utilise ce mouvement-là dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour s'asseoir sur une chaise, se relever de la chaise, on fait un squat sans le vouloir vraiment. Essayez d'incorporer des exercices qui vont refléter des mouvements que vous faites dans la vie quotidienne. Le changement de direction, c'est super important aussi parce que ça va réduire votre risque de blessure. Souvent, quand on est dans une position déséquilibrée, c'est là qu'on va tomber, on va se faire mal. Donc, incorporer des mouvements comme ça dans votre programme d'entraînement, c'est aussi super important pour réduire la prévention des blessures. Après votre exercice, l'exercice peut durer de 30 à 60 minutes. Après votre exercice,
Il y a une période de retour au calme qui est super importante aussi. C'est pour ramener votre fréquence cardiaque à la bonne fréquence. Et c'est là que vous pouvez faire vos étirements de manière statique. Si vous avez fait un entraînement de bas du corps, par exemple, assurez-vous que vous allez tirer les muscles du bas du corps. Vous pouvez tenir la position pendant 30 secondes. Ça va vous permettre aussi mentalement de retourner au calme. Ça va permettre à votre corps de revenir au stade qui était avant l'activité physique ou avant l'exercice. Aussi, à ne pas oublier dans le processus d'exercice, c'est la nutrition. La nutrition, c'est super important quand vous faites de l'entraînement ou de l'activité physique. La nutrition, c'est ça qui va vous donner, dans le fond, l'essence à votre corps de faire l'exercice qui est demandé. Et quand je parle d'essence, c'est comme si vous êtes capable d'imaginer une auto, on met de l'essence dans l'auto pour que l'auto fonctionne, mais notre corps, c'est pareil. Notre corps a besoin d'une bonne nutrition pour être capable d'avancer, pour être capable de faire ce qu'on veut que notre corps fasse. C'est pour avoir une bonne diète qui va être équilibrée, vous pouvez suivre le guide alimentaire canadien. Il y a eu des changements de 2 ou 3 ans qui ont été apportés au guide alimentaire canadien. Ça vous donne des bonnes guidelines pour s'assurer que vous avez une diète équilibrée. Fait que vous avez des fruits et des légumes, vous avez des protéines et vous avez aussi des glucides. Et finalement, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, surtout si vous faites de l'exercice et surtout s'il fait chaud dehors, si vous faites de l'exercice à l'extérieur. Beaucoup de monde sont déshydratés à longueur de la journée. Même quand que vous avez la sensation de soif, si vous êtes déjà déshydraté, vous avez déjà perdu à peu près 2% de votre 2% du poids du corps en eau. Fait que c'est super important tenez-vous une bouteille tout au long de la journée pour prendre 2 à 3 gorgées ou à peu près aux 15 à 20 minutes pour s'assurer que vous n'êtes pas déshydraté. Si vous avez une diminution de 2%, si vous avez perdu 2%, vos performances athlétiques vont être réduites de 15 à 20%, ce qui est énorme. Et comme j'ai dit avant, le 2%, c'est vraiment pas beaucoup. Quand que vous sentez que vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté, puis vous êtes déjà à peu près à 2% de perte pour la déshydratation, puis ça va jouer si vous allez avoir une réduction de 15 à 20% sur la performance athlétique. Assurez-vous que vous êtes bien hydraté et que assurez-vous que pendant votre exercice, vous buvez de l'eau avant, un petit peu avant, pendant l'exercice et aussi après. Maintenant, on va parler des stratégies pour l'activité physique. Donc, quand vous faites de l'activité physique ou de l'exercice, c'est vraiment important d'avoir des stratégies en place pour vous aider à, oui, réduire les risques de blessures. Une des stratégies qu'on va parler, c'est la stratégie c'est le principe de progression. Donc, quand vous faites de l'activité physique, c'est super important de le faire de façon progressive, surtout quand ça vient quand on parle de durée, quand on parle d'intensité et de fréquence. Donc, combien de fois par semaine ou par jour vous vous entraînez. Si vous faites un gros exercice de force, par exemple, assurez-vous que les autres activités physiques que vous faites pendant la journée sont un peu réduites. Donc, par exemple, ne faites pas un gros entraînement de force si vous partez volontaire à une course dans votre municipalité, puis vous allez être debout de 8 heures jusqu'à 4 heures. Fait que c'est tout comme balancer tout ça aussi. Puis si vous faites une nouvelle activité physique ou si vous modifiez une technique, vous modifiez une activité physique, encore une fois, c'est super important de le faire de manière progressive pour, oui, vous adapter votre corps au nouvel exercice ou à la nouvelle activité physique. Puis après ça, vous pouvez commencer à mettre plus de poids, vous commencez à faire un peu plus souvent, augmenter la fréquence pendant la semaine ou augmenter le niveau d'intensité physique. Un exemple qui est super simple. Si vous n'êtes pas, par exemple, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime courir, mais vous commencez à vous mettre à la course, vous n'allez pas faire demain matin un 10 km. Vous allez faire de façon progressive, justement pour réduire vos risques de blessure. Maintenant, on va parler d'options d'équipement. C'est tous des équipements, ça va être des options qu'on va vous donner, que vous pouvez choisir qu'est-ce que vous aimez, mais c'est toutes des options que ça peut être procuré facilement. C'est peu dispendieux, puis ça ne va pas prendre beaucoup de place à la maison non plus.
Le premier, c'est un tapis d'exercice. Un tapis d'exercice, ça peut être, oui, un tapis de yoga, dans le style de yoga, ou ça peut être aussi un tapis qui est un peu, qui a un genre, un petit coussin dedans. C'est quand que vous allez faire des exercices qui sont au sol, ça va juste être plus confortable quand que vous êtes couché au sol. Puis les tapis de yoga aussi, ça, comme ça peut empêcher votre pied glisser quand que vous faites un exercice. Fait que un tapis d'exercice, c'est peu dispendieux. D'habitude, c'est entre 10 à 40 $. Une corde de danser, encore une fois, c'est peu dispendieux. Puis ça, c'est super de bon exercice aussi pour le cardio. Si vous avez des plafonds qui sont bas, comme moi chez nous, pendant la COVID surtout, mes plafonds dans ma cave étaient trop bas. Fait que, au lieu d'avoir une corde à danser, mais j'avais une corde à danser imaginaire. Fait que je faisais le même mouvement avec mes bras, puis je sautais comme s'il y avait une corde à danser, mais il n'y en avait pas. Fait que ça aussi, ça peut être une bonne option. Juste de faire la mimique de la corde à danser, ça peut être une bonne option si vous avez des plafonds qui sont bas. Si vous avez fait de l'entraînement de force, vous pouvez considérer des bandes élastiques, les poids haltères ou les kettlebells. Ça a été super dur d'en s'en procurer pendant la pandémie, comme tout le monde voulait avoir des poids haltères chez eux pendant la pandémie parce que les gyms étaient fermés. Mais maintenant, le stock, ça c'est revenu un peu, fait que c'est plus facile à se procurer. Si vous voulez pas payer pour des poids haltères, vous pouvez prendre des articles ménagers que vous avez à la maison aussi. Tu sais, qu'est-ce qui est comme, vous pouvez mettre un sac à dos sur les épaules, ça va donner plus de poids. Vous pouvez prendre, tu sais, les bouteilles de détergent, vous pouvez remplir ça d'eau. Il y a plein d'articles ménagers que vous pouvez prendre aussi si vous n'avez pas de kettlebell ou de poids haltères ou les bandes élastiques. Les chaussures, n'oubliez pas d'avoir des bonnes chaussures aussi, spécifiquement au sport que vous allez faire. Assurez-vous que c'est bien pour le sport que vous allez faire ou l'entraînement ou l'activité physique que vous allez faire. Assurez-vous qu'elles sont bien mises aussi, comme elles ne sont pas trop grandes, pas trop petites. Sinon, ça peut vous donner des ampoules aux pieds. Un ballon d'exercice, c'est le ballon suisse, c'est la dernière photo qu'on peut voir sur l'écran. Un ballon suisse, ça peut être, oui, ça peut être, il y a beaucoup de core exercise, des exercices du tronc qu'on peut faire avec ça, mais aussi ça peut vous servir comme banc d'entraînement si vous n'avez pas de banc chez vous. Par exemple, si vous voulez faire un bench press avec des poids haltères, vous pouvez vous coucher sur le dos, vous pouvez utiliser un ballon suisse. Ça peut être considéré comme un banc d'exercice en même temps. Puis en même temps, parce que vos fesses vont être dans les airs, c'est un bon entraînement pour les fessiers en plus. On va parler de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous faites de l'activité physique ou lorsque vous faites de l'exercice. À la gauche, vous avez fait ceci, à la droite, vous avez ne fait pas cela. La première chose qu'on va parler, c'est de fixer des objectifs SMART. Oui, il faut que vos objectifs ce soit SMART, mais aussi il faut suivre l'acronyme SMART. Dans le S, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et en temps voulu. So, par exemple, si on revient avec l'exemple de courir un 10 km demain matin, mais ça ne sera pas un objectif qui est SMART. Donc, un bon exemple en suivant l'acronyme SMART, ce serait oui, vous vous réveillez, vous voulez commencer à courir. Ça, c'est spécifique. Vous voulez vous remettre à la course. Il faut que ce soit mesurable. Fait que vous pouvez dire, je veux courir un 10 km. Fait que 10 km, c'est mesurable. Il faut que ce soit atteignable aussi. Assurez-vous que vous n'avez pas de blessure qui va vous empêcher de courir. Il faut que ce soit réaliste. Allez pas mettre comme objectif d'aller à la fin de l'année courir un ultra-marathon, par exemple, qu'est-ce qui est à peu près de 150 km. Fait qu'assurez-vous que ce soit réaliste aussi. Puis assurez-vous que le temps que vous vous donnez à atteindre l'objectif, ça soit aussi réalisable. Donc, par exemple, si vous remettez à la course, le 10 km devrait être dans 4, 5, 6 mois et pas juste un 10 km dans un mois. Fait qu'assurez-vous que quand vous vous fixez des objectifs, assurez-vous de suivre l'acronyme SMART. Sinon, commencer trop vite et commencer à s'entraîner trop dur,
Ça va juste augmenter vos risques de blessure, puis ça va diminuer votre motivation aussi. Si vous commencez trop vite, trop dur, vous allez être sourd, vous allez comme raquer le lendemain. Puis ça, c'est pas le fun, honnêtement. Ça va vraiment réduire votre motivation à continuer. On a déjà parlé du principe de progression. Suivez la règle des 10. Fait que, assurez-vous de progresser 10% à la fois. So, quand vous progressez dans l'activité physique, vous mettez comme ça soit la fréquence ou la durée ou l'intensité, suivre les règles des 10. Par exemple, si on prend un exemple de pas, si vous avez une Fitbit ou si vous suivez le nombre de pas que vous faites pendant la journée, si ça tourne toujours aux alentours de 5000 à 8000 par exemple, mais vous aimeriez ça que de faire un peu plus de pas par jour, atteindre les 12 000 de pas par jour, parce que les 12 000, c'est relié à la perte de poids. Si c'est un objectif que vous aimeriez avoir, pour augmenter vos pas de 7 000 à 12 000, mais faites le pas pendant une journée. Le lendemain, vous allez essayer de faire 5 000 pas de plus. Mais essayez de suivre la règle des 10, fait que d'augmenter de 10 %, fait que de partir de 7 000, augmenter de 10 %, fait qu'à chaque jour pendant une semaine, par exemple, essayez de faire 700 pas de plus. Après ça, là, vous allez être à 6 700. À partir de là, la semaine d'après, augmenter de 10 % encore, comme ça jusqu'à vous rendant aux 12 000 pas. Fait que de cette façon-là, vous allez augmenter l'intensité de votre activité physique, mais de façon progressive. Ne pas faire entraîner les mêmes muscles jour après jour. On a un peu parlé encore, la variété des exercices est super important pour réduire le risque de blessure. Si vous entraînez les mêmes muscles jour après jour, c'est juste que vous donnez pas à votre corps le temps de récupérer. Quand vous faites de l'activité physique, quand vous faites de l'exercice, vous dommagez les muscles, vous dommagez vos fibres musculaires. Mais c'est ça qui est important. Si vous voulez avoir de plus gros muscles, vous allez être plus fort et plus vite. C'est ça qui est important à faire. C'est vraiment comme faire on appelle ça en anglais des micro tears, soit des micro déchirures dans vos fibres musculaires. Mais ça prend à peu près 48 heures à récupérer. Fait que votre corps va réparer les micro-déchirures, mais ça prend de 24 à 48 heures à faire. Donc, si vous ne donnez pas de 24 heures à 48 heures à votre corps pour se régénérer, pour récupérer de ces micro-déchirures, mais c'est juste que vous allez damager votre corps, puis vos muscles, puis c'est comme ça que vous allez avoir des blessures. So, si vous ne donnez pas votre corps le temps qu'il a besoin pour récupérer, le corps va le faire à votre place. Puis comment il va le faire à votre place? C'est vous donner une blessure. Donc, si vous êtes blessé, maintenant, il va vous forcer à slow down un petit peu, comme à arrêter votre entraînement. Puis ça, c'est la manière de notre corps de nous dire j'ai besoin de plus de temps pour me guérir. Le troisième principe, alterner les jours d'entraînement à fort impact et à faible impact. Fait qu'encore une fois, pas pendant tous les jours de la semaine, par exemple, si vous entraînez le lundi ou vendredi, puis vous avez les fins de semaine off, d'exercices structurés, mais essayez de faire, oui, des exercices à fort impact, ça peut être la course, qu'est-ce qui est vraiment demandé à votre corps, qu'est-ce qui est à intensité élevée. Mais le lendemain, donnez une chance à votre corps de récupérer. Fait que faites un exercice qui est plus un peu plus mollo. Ça peut être un exercice de flexibilité. Ça peut faire des exercices qui sont de core. Vous pouvez faire de la nage. La nage est considérée à faible densité, mais juste parce que vous n'avez pas le poids du corps. Vous ne ressentez pas le poids du corps. Fait que essayez d'alterner des exercices de, oui, intensité élevée, mais après ça, ayez une activité physique qui est faible à modéré pour le côté intensité. Et finalement, évitez les pensées négatives sur vous-même et la comparaison avec les autres. Si vous vous remettez à la course, regardez pas un de vos amis qui est capable de courir un 10 km en 50 minutes. Ça vous donne... c'est chacun pour soi. C'est quelque chose qui est constant. Quand vous faites de l'activité physique, si vous le faites pour vous. D'accord? Comparez-vous pas avec quelqu'un d'autre. Regardez jour après jour les progrès que vous faites. C'est pour ça aussi que c'est super important de peut-être avoir un journal de bord pour voir c'est quoi votre progression dans l'activité physique, mais pas vous comparer avec quelqu'un d'autre, mais comparez-vous avec vous.
Les pensées négatives aussi, c'est, des fois c'est super facile, on a ça, surtout quand on fait quelque chose de nouveau, on a souvent tendance à être négatif envers nous-mêmes ou à être trop dur avant nous-mêmes, envers nous-mêmes. Donc, assurez-vous d'arrêter ces pensées négatives-là, puis concentrez-vous vraiment sur le positif. Directive pour les activités de la SCPE. La SCPE, c'est la Société canadienne de physiologie de l'exercice. C'est de cette organisation-là qu'on prend toutes nos informations par rapport à l'activité physique. Présentement, la SCPE met beaucoup, beaucoup d'emphase sur être le moins sédentaire possible pendant la journée et mettre un peu plus d'emphase sur l'activité physique. Puis quand on parle d'activité physique, on ne parle pas seulement de l'activité physique à intensité élevée, mais simplement de bouger un peu plus, d'être moins assis. Juste le fait d'être debout, ça va être compté comme de l'activité physique. Présentement, vous avez sûrement déjà entendu la phrase de « smoking is the new sitting ». Présentement, on est une société qui s'assoit beaucoup, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'auto, quand on va puis on revient du travail. Des fois, il y a du monde qui commute pendant 1h30 pour aller au travail et revenir, qui sont assis dans le trafic. On est une société qui s'assoit beaucoup. Fait que de mettre l'emphase un peu plus sur l'activité physique. Puis comme j'ai dit, il ne faut pas que ça soit super dur, super à intensité, super élevée, mais juste au lieu d'être assis, faire si on a le choix d'être assis ou debout, essayer de faire le choix d'être debout. Maintenant, les organisations, les lieux de travail sont de plus en plus ouverts au fait d'avoir des stations de travail qu'on peut élever, qu'on peut surlever le bureau. Donc, au lieu d'être assis, on peut être debout. Si c'est une option que vous avez, prenez-la, comme ça va vous faire travailler les muscles du tronc, ça va faire travailler les muscles pour garder votre balance, ça va faire travailler beaucoup plus de muscles que quand vous êtes assis. Quand on est assis, il y a beaucoup de pression sur le dos aussi. Être debout, bouger, c'est vraiment encore une fois, ça va réduire les risques de blessures. Trois recommandations fondamentales à garder à l'esprit. Bouger plus, comme je viens de dire. Oui, faire de l'activité physique, elle est à intensité élevée, par quelques fois par semaine, mais aussi juste le fait de bouger, d'être moins sédentaire, d'être moins assis, c'est une recommandation fondamentale. Réduire le temps de sédentarité et bien sûr de bien dormir. Comme on a mentionné plus tôt, quand on fait de l'activité physique, quand on fait de l'exercice, on fait des dommages dans nos fibres musculaires. On crée des micro-déchirures dans nos fibres musculaires. Puis oui, c'est ça qui va nous rendre le muscle plus gros, plus fort, plus vite. Mais ça prend du temps à récupérer, ça prend du temps à se réparer. Puis pour se réparer, la réparation se fait pendant qu'on dort. Fait que c'est pour ça que bien dormir, c'est important aussi quand on fait de l'activité physique. Maintenant, on va regarder avec un peu plus de détails c'est quoi les directives de la SCPE, qu'est-ce qui regarde l'activité physique. On a parlé déjà de l'activité physique, il parle de faire des exercices qui sont variés, donc de ne pas toujours faire jour après jour les mêmes exercices. Pour une activité physique aérobique, on parle de cardio ici, modérée et vigoureuse, on essaie d'en faire minimum de 150 minutes par semaine. Pour les activités de renforcement musculaire, c'est recommandé d'en faire un minimum de 2 fois par semaine. Si vous en faites plus que ce qui est recommandé, il n'y a pas de tort à ça, en autant que vous avez le temps de récupération nécessaire. Si vous ne rencontrez pas encore le minimum d'activité physique qui est recommandé par la SCPE, ce serait un bon but d'avoir. Mais comme on a parlé déjà plus tôt, assurez-vous de faire ça progressivement. Prenez le principe de 10%. Puis ça, ce serait un beau but d'avoir au moins 150 minutes de cardio par semaine, d'intensité modérée à élevée, et puis de 2 fois par semaine, de faire des exercices de renforcement musculaire. Pour ce qui est du temps sédentaire, essayez de limiter le temps sédentaire à 8 heures ou moins. Puis ça inclut pas plus que 3 heures récréatives de temps d'écran par jour. Puis essayez essayez de réduire le temps que vous êtes assis. Si vous êtes capable de vous lever pendant que vous travaillez aux 15-20 minutes, juste pour comme se lever,
marcher un 30 de 1 minute juste pour le fait que vous ne soyez pas assis pendant des longues périodes. Ça va vous aider aussi juste à augmenter un peu plus l'activité physique, mais aussi, à ne pas, comme je dis, à ne pas être assis pendant longtemps, pendant des longues périodes. Côté sommeil, essayez d'avoir un objectif de 7 heures à 9 heures de sommeil par jour. Essayez pour une bonne qualité de sommeil, essayez d'aller vous coucher à la même heure et de vous lever à la même heure, même la fin de semaine. Voici des exemples d'exercices que vous pouvez faire à la maison. On a déjà parlé beaucoup de vous pouvez faire des exercices seulement avec le poids du corps. Vous pouvez faire des exercices aussi si vous avez un TRX. Sur le TRX, c'est les bandes qui sont accrochées que vous pouvez accrocher soit au plafond si vous avez une poutre, ou vous pouvez accrocher à la porte. Il y a un sac qui va s'accrocher au haut de la porte. On ferme la porte. C'est des bandes qu'on peut faire des exercices avec et c'est super populaire, surtout en déploiement parce que tu peux mettre ça dans un sac, tu peux mettre ça n'importe où, ça prend pas beaucoup de place. Je connais, quand je travaillais avec les forces spéciales, je sais que les gars, les membres, ils en apportaient souvent avec eux autres parce que c'est vraiment versatile. On peut faire ça n'importe où, tu peux faire ça dehors, tu peux faire ça à l'intérieur. C'est super, tu peux faire des exercices, un workout vraiment complet avec les TRX. Un tapis roulant ou course extérieure. Si vous avez un tapis roulant à la maison, utilisez-le. C'est vraiment parfait pour faire le cardio. Encore une fois, 150 minutes de cardio par semaine qui est recommandé avec intensité modérée à rigoureuse. Ou simplement, vous pouvez aller courir dehors si vous avez des trails qui sont belles, proches de chez vous, c'est parfait. Ça vous donne du temps à l'extérieur et en plus, vous allez faire des activités physiques. Côté cardiovasculaire. Entraînement HIIT. HIIT en anglais, c'est un acronyme pour en anglais, c'est High Intensity Interval Training. Ça, c'est quand on travaille, disons, vraiment fort pendant une certaine période de temps et on a du repos pour une certaine période de temps. Par exemple, on peut faire jumping squat pour 15 secondes, après, c'est avoir un 15 secondes de repos et on répète pour peut-être de 4 à 8 sets. Donc, ça, c'est considéré comme High Intensity Interval Training. C'est des exercices de renforcement musculaire, mais aussi vous allez travailler votre côté cardiovasculaire. Les entraînements en circuit, si vous avez des circuits d'entraînement, vous pouvez facilement le faire à la maison. Vous écrivez vos exercices sur un tableau, sur une feuille de papier, puis vous faites les exercices dans l'ordre. Et après ça, vous assurez que vous avez un temps de repos et vous pouvez recommencer le circuit encore, soit en essayant de garder le même temps. Pour chaque fois que vous faites le circuit. Le bicycle, faire du bicycle, si vous avez, comme j'ai dit, vous avez des belles pistes proches de chez vous, des belles trails, essayez d'aller dehors. Sinon, il y a beaucoup de programmes maintenant que vous pouvez faire à la maison. Si vous avez un bateau stationnaire, dans ma tête, j'avais le Peloton, qui est vraiment populaire maintenant, que vous pouvez faire du bicycle avec d'autres participants aussi. Fait que ça peut vous donner une motivation à faire du vélo stationnaire si vous en avez l'option. Et finalement, le dernier exemple d'exercice qu'on peut faire à la maison, qui est facile à faire à la maison, c'est le yoga. Le yoga, ça va faire travailler la flexibilité, mais ça fait aussi travailler, ça fait du renforcement musculaire aussi. Il y a certaines poses que ça va vous faire travailler pas mal les muscles. Puis on les tient quand même longtemps, les pauses. Fait que oui, le yoga, c'est reconnu pour la flexibilité, puis la mobilité des articulations, mais aussi pour le renforcement musculaire. Maintenant, on va regarder c'est quoi un exemple d'un plan d'entraînement. Quand vous avez un plan d'entraînement, oui, vous avez besoin d'un objectif. C'est quoi l'objectif de votre entraînement? Et puis, on va regarder la formulation FIT. So, FIT, c'est un acronyme pour la fréquence, combien de fois par semaine que vous allez vous entraîner, l'intensité de votre entraînement. So, par exemple, ici, c'est une intensité de 60 à 80 % de votre fréquence cardiaque maximale. Le temps, ça va être de 20 à 60 minutes. Et puis le type, dans l'exemple ici, c'est un exercice aérobique, c'est un exercice cardiovasculaire. C'est quand même large. Pour être un peu plus détaillé, quand on dit cardio, le cardio, ça va être de votre choix. C'est un exemple de plan d'entraînement.
Dépendamment de ce que vous avez accès, considérez le cross-training. Donc, quand on dit le cross-training, considérez le cross-training, ça revient juste à dire considérez de faire des exercices variés, de ne pas tout le temps faire la même affaire. Donc, le cardio, ça peut être, oui, une fois vous faites de la course, si vous aimez la course, vous faites du vélo ou de la natation, mais essayez de varier vos exercices. Fait que ça, c'est un exemple de plan d'entraînement. Ça, vous avez c'est quoi l'objectif de l'entraînement? C'est augmenter la fréquence cardiaque pendant un certain temps. On a la formule FIT pour dire de 3 à 5 fois par semaine, faites du cardio, l'intensité de 60 à 80% de votre fréquence cardiaque maximale, le temps entre 20 et 60 minutes, puis le type d'exercice du cardio. C'est comme ça, c'est simple et c'est vraiment spécifique pour votre entraînement. Maintenant, on va regarder pour le conditionnement physique sur l'entraînement en force. Comme c'est recommandé par la SCPE, c'était 2 fois par semaine, un minimum de 2 fois par semaine avec l'intensité. Donc, des fois, le monde ne savent pas trop combien de poids mettre, combien de poids on devrait lever. Et ça, c'est vraiment individuel. Fait que si on fait, on s'est recommandé encore, les directives minimum, c'est 2 sets. Fait que disons, vous faites des répétitions. Les répétitions, c'est à chaque fois que vous faites une levée, c'est compte pour une répétition. Fait que si vous en faites 15, c'est une répétition. Si vous arrêtez après 15, vous prenez un break. Le premier 15, ça s'appelle un set, une série. Fait que l'intensité, si vous faites la première série, après 15, vous allez arrêter, vous allez avoir un break de 90 secondes. Puis là, vous allez recommencer de 60 secondes à 90 secondes, vous allez recommencer une deuxième série. La deuxième série ne devrait pas être facile. Je vous dirais que les deux dernières répétitions de votre série devraient être quand même difficiles à lever. Et ça veut dire que vous avez vraiment le bon poids dans les mains. Si c'est vraiment trop facile, après vous faites la première série, 60 secondes de repos. Après ça, vous faites la deuxième série. Puis là, c'est encore vraiment facile. Je vous dirais pour la prochaine fois de rajouter un peu plus de poids. Si vous faites la première série, vous avez de la misère après 10 de lever les poids, là vous êtes allé trop lourd. Fait que c'est essai par erreur aussi. C'est vraiment de façon individuelle. Le temps selon la SCPE, c'est de 30 minutes chaque entraînement. Puis les lignes directrices encore, c'est deux séries de 15 répétitions. Quand on fait 15 répétitions, on appelle ça, on se focus sur l'endurance physique. Après ça, dépendamment du nombre de répétitions que vous allez faire, c'est cela qu'on va travailler différentes sphères de l'activité, de l'entraînement en force, soit la force, la puissance ou encore l'hypertrophie. Et ça vient tout avec les répétitions. Quand il y a beaucoup de répétitions comme ça, 15 répétitions, là, on vient travailler plus l'endurance. Puis comme j'ai mentionné plus tôt, l'endurance, c'est vraiment qu'est-ce que vous devriez entraîner en premier. C'est la fondation avant d'entraîner les autres sphères comme la force, la puissance ou l'hypertrophie. Pour éviter le principe d'adaptation, on a essayé de changer les options, changer les poids, changer les séries, changer le type d'exercice pour recruter le plus de fibres musculaires. Le dernier carré ici en bas sur la diapositive, c'est le type. Essayez encore une fois de faire des exercices fonctionnels sur des mouvements que vous allez faire dans la vie quotidienne. Tantôt, on a donné l'exemple de faire des squats, par exemple. Les squats, c'est bien de les travailler en salle d'entraînement parce que c'est un exercice, un mouvement qu'on fait souvent durant la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment important de travailler quand c'est dans une façon contrôlée, dans un gym, en mettant du poids en surplus pour travailler les muscles, pour les rendre encore plus forts. Ici, on voit simplement un exemple de plan d'entraînement, pour si vous voulez vous entraîner, le bas du corps, c'est l'entraînement des jambes. Vous pouvez faire un squat avec un bar ou des poids haltères si vous en avez à la maison, mais comme mentionné encore plus tôt, si vous n'avez pas de poids à la maison, vous pouvez utiliser des articles ménagers que vous avez à la maison qui sont lourds. Vous pouvez mettre un sac à dos sur votre dos puis faire des squats. Vous pouvez tenir un poids en avant comme une bouteille de détergent à l'avant de vous en faisant comme un goblet squat. Fait que vous pouvez, même si vous n'avez pas de poids et haltères à la maison, vous pouvez utiliser d'autres articles ménagers qui ne sont pas spécifiquement faits pour l'entraînement physique, mais vous pouvez l'utiliser comme poids pour l'entraînement physique.
Sinon, il y a d'autres options aussi. Les squats, c'est un exercice qui est vraiment populaire en salle d'entraînement, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples d'exercices que vous pouvez faire pour vous entraîner les jambes. Vous pouvez faire des lunges. Ça, c'est la deuxième photo qu'on voit en haut à droite. Encore une fois, il y a une barbell sur les épaules, mais vous pouvez tenir des poids à terre dans les mains. Vous pouvez la tenir un poids à terre devant votre poitrine, puis vous pouvez faire des lunges. Ça, c'est faire un grand pas à l'avant, descendre droit en gardant le genou bien aligné avec les orteils et recommencer avec l'autre jambe. Sinon, il y a des step-up. Sur la photo aussi, l'exemple, c'est un side step-up où la marche est côté latéral. Encore une fois, si vous n'avez pas de banc d'entraînement comme sur la photo, vous pouvez utiliser les escaliers. Si vous avez des escaliers à la maison, la première marche de votre escalier, vous pouvez aller dehors. Si vous avez des escaliers dehors ou si vous avez simplement juste un step, une élévation dans la maison que vous pouvez sécuritairement faire un side step up. Ici, on a d'autres exemples d'exercices qu'on peut faire facilement à la maison. Il y a des exercices de poitrine, de haut du dos, haut du bas du dos. Probablement, personne n'a une machine à la maison. Donc, si on regarde pour la poitrine, si on regarde si vous avez un ballon suisse ou si vous avez un banc, vous pouvez faire un dumbbell press sur un banc ou un chest fly. Assurez-vous que votre tête est vraiment bien appuyée sur le ballon. Si vous utilisez un ballon juste pour faciliter la pression sur le cou un peu. Mais ça encore, si vous utilisez un ballon, oui, vous allez travailler la poitrine, mais vous allez aussi travailler votre ballon et vous allez travailler les muscles stabilisateurs de votre colonne vertébrale. Qu'est-ce qui est votre core? Fait que vous allez c'est un bon exercice pour la poitrine, mais aussi un bon exercice pour qu'il va recruter un peu plus que les muscles de votre poitrine. Le haut du dos, il y en a des exemples d'exercices. Un exemple d'exercice plus bas pour le bas du dos si vous avez un ballon suisse à la maison. Encore une fois, ici, on voit des exemples d'autres muscles, groupes musculaires différents qu'on peut travailler à la maison. Ici, ça s'appelle un preacher curl. Ça, c'est pour travailler les biceps, pour travailler les triceps. Ça, c'est super important quand vous avez un plan d'entraînement à faire à la maison, que vous faites à la maison, que quand on dit de ne pas tout le temps travailler le même groupe musculaire, que c'est vraiment détailler votre plan musculaire, votre plan d'entraînement de renforcement en force, juste pour ne pas travailler les mêmes muscles journée après journée. Fait que si vous entraînez trois fois par semaine, vous le faites lundi, mercredi, vendredi, assurez-vous que c'est vraiment détaillé qu'est-ce que vous faites le lundi. Comme ça, vous savez visuellement c'est quoi vous allez travailler comme muscle, comme groupe musculaire le lundi. Après ça, le mercredi, vous allez travailler d'autres groupes musculaires et après la même affaire pour le vendredi. Donc, comme ça, vous vous assurez que oui, vous travaillez tous les groupes musculaires, mais aussi qu'il y a une belle rotation des muscles musculaires. Donc, qu'est-ce que vous avez entraîné le lundi peut se reposer le mardi, mercredi. Vous pouvez réentraîner le vendredi. Souvent, qu'est-ce que le monde va faire, c'est ils vont travailler le haut du corps le lundi, par exemple, le bas du corps le mercredi, puis ils vont faire un entraînement complet de full body, du corps entier, le vendredi. Puis après ça, le samedi, dimanche, c'est off, puis ils recommencent le lundi. Fait comme ça, c'est un bel exemple de, on travaille le corps au complet, on travaille spécifiquement le haut du corps le lundi, spécifiquement le bas du corps le mercredi, et le corps complet le vendredi. Et comme ça, vos groupes musculaires ont le temps de bien récupérer. Ici, on a des exemples d'entraînement, d'exercices pour le core, sur les stabilisateurs de votre colonne vertébrale. Tous les muscles qui travaillent ensemble pour stabiliser votre colonne vertébrale, votre pelvis, puis les omoplates en arrière, le haut du dos, c'est tout considéré, tous ces muscles-là, c'est considéré comme le core. Le core, c'est super important de bien travailler, mais le travailler quotidiennement, ça se perd facilement, la force se perd facilement dans notre corps. Puis c'est notre corps, c'est des muscles, c'est le groupe musculaire qu'on utilise souvent, beaucoup pendant la journée. Donc, c'est super important que ça soit fort pour réduire les chances de blessure, et spécifiquement si vous avez des douleurs dans le bas du dos ou dans le dos en général. Souvent, c'est parce que c'est peut-être un manque de force de notre corps.
Quand on regarde pour faire des exercices de core, c'est super important d'essayer de garder votre colonne vertébrale dans une position neutre. Il y a trois, on va en parler un peu plus loin dans la présentation, mais il y en a trois courbes naturelles dans notre colonne vertébrale. Puis c'est d'essayer de garder ces courbes naturelles-là quand on fait nos exercices de core. Donc, essayez la position la plus vulnérable pour notre colonne vertébrale, c'est quand on est en flexion et qu'on est tourniste, donc une rotation, puis on a de la charge sur nos épaules ou sur nous autres. Cette position-là, c'est super vulnérable pour notre colonne vertébrale, puis on augmente définitivement nos risques de blessure durant l'exercice. Si vous voulez regarder une personne à suivre quand on parle de core exercise, quand on parle de notre dos, c'est Stu McGill. Stu McGill, il est retraité maintenant, mais c'était un professeur à l'université de Waterloo. Il est reconnu internationalement parce que toute sa carrière, il l'a consacré à faire des recherches sur comment bâtir un dos fort puis sécuritaire de façon sécuritaire. Fait qu'il a fait beaucoup, beaucoup de recherches à quel exercice qui était meilleur pour notre dos, quel exercice qui était meilleur pour notre corps. Donc, notre cours qui est sur la prévention des blessures, c'est vraiment beaucoup basé aussi quand on parle de core, quand on parle de bas du dos, c'est vraiment beaucoup basé sur ses recherches à lui. Puis c'est ça. Et les recherches qu'il a faites, c'est qu'il a prouvé en laboratoire que notre colonne est en flexion, quand notre colonne vertébrale est en flexion, puis quand on fait des répétitions élevées, c'est on vient de mettre à risque notre colonne vertébrale, nos disques qui sont entre les disques, qu'est-ce qui est entre les vertèbres de notre colonne, on augmente la chance d'avoir un bulge disque. Donc, si vous regardez les exercices d'en haut, ça, c'est tous des exercices que oui, ça va travailler votre corps. Et si vous pouvez voir, regardez la colonne vertébrale de la personne qui fait l'exercice, c'est tout en position neutre. Ils n'ont pas de flexion de la colonne vertébrale. Puis ça c'est vraiment, ça va autant vous challenger les muscles qui font partie du corps que, par exemple, qu'est-ce qui est vraiment populaire, quand le monde pense core, abs, ils pensent tout à faire des redressements assis. Mais les redressements assis, c'est vraiment à enlever de votre programme d'entraînement si vous en faites, juste parce qu'encore là, c'est la flexion de la colonne vertébrale. Ce n'est pas qu'est-ce qui est le meilleur pour votre dos. Ça met beaucoup, beaucoup de pression aussi ou d'emphase sur les muscles de la hanche. Donc, au lieu de faire des redressements assis, essayez, je vous mets au défi d'essayer de faire un des trois exercices qui est à l'écran pour votre corps. Maintenant, ça, c'est des exemples d'exercices à faire ou d'étirements à faire après votre workout. Après, comme on a parlé au début, le processus d'entraînement. Après un entraînement, assurez-vous d'avoir un retour au calme. C'est une bonne période pour faire les étirements. Au moins 5 minutes, de 5 à 10 minutes. Étirez les muscles que vous avez travaillés pendant votre entraînement. Par exemple, si vous avez fait une journée de bas du corps, assurez-vous d'étirer les muscles du bas du corps. Quand vous faites un étirement, faut que ça tire un peu. Fait qu'essayez d'étirer votre muscle. Quand vous sentez un peu d'inconfort, arrêtez là, puis tenez la position pendant 30 secondes. Faut pas que ça soit douloureux. Fait que c'est vraiment un inconfort, mais vraiment minime. C'est juste que vous sentez que ça tire dans le muscle que vous focussez sur. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait de douleur pendant les étirements. Essayez de garder la position pendant 30 secondes. Un retour au calme, il faut que ça soit à peu près de 5 à 10 minutes. Puis essayez de focusser sur votre respiration aussi quand vous faites le retour au calme pendant que vous tenez les 30 secondes pour votre étirement. Essayez de ralentir votre respiration, respirer par le nez, expirer par la bouche. Puis ça, en même temps, ça va faire réduire votre fréquence cardiaque aussi. Les étirements, ça devrait être fait après chaque workout, après chaque entraînement. Mais souvent aussi, essayez d'incorporer dans votre plan d'entraînement une journée qui est dédiée ou une période de temps qui est dédiée, même si c'est 10 à 15 minutes, à faire des exercices de mobilité et des exercices de flexibilité.
C'est super important, encore la flexibilité, être sûr que vos articulations ont la mobilité et la flexibilité qui est nécessaire pour faire des mouvements, sinon le risque de blessure va augmenter. Donc, pendant minimum une fois par semaine, essayez de focusser spécifiquement seulement sur des exercices de mobilité, des exercices de flexibilité. Ici, la diapositive, c'est juste pour nous rappeler qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications que vous pouvez avoir pour vous aider à faire le suivi de vos entraînements si vous avez besoin d'aide. Il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a le Peloton, ça c'est pour le vélo et la course. Il y a Strava, il y en a plusieurs qui sont là pour vous aider, pour vous faciliter vos entraînements aussi. Puis la plupart de ces applications-là, il y en a beaucoup qui sont gratuites aussi. Mais ça, c'est juste comme un friendly reminder que si vous voulez, avez besoin un peu d'aide pour vous rappeler, parce que même des fois, ma montre, elle me dit, quand je suis assis trop longtemps, ma montre, elle va bipper, puis elle va me dire de me lever. Fait que la technologie, elle peut être là pour être mise, pour vous aider, soit à vous garder, à mettre une alarme pour aller faire vos entraînements, à vous garder pour faire le suivi de vos entraînements. Ça peut vous servir de log, de journal de bord pour vos entraînements, mais juste vous rappeler des fois que la technologie est de votre bord pour vous aider à vous entraîner si vous en avez besoin. Maintenant, on va parler de stratégie d'action. Une vue d'ensemble, 80-95% des blessures sont évitables. C'est dans notre contrôle de 80-95%. Il y en a qui sont incontrôlables quand, disons, vous échappez un poids haltant sur votre pied, ou vous cassez le pied, ça c'est un peu incontrôlable. Mais souvent, c'est 80-95%, sont évitables. C'est juste à faire des stratégies, à mettre en place des stratégies dans nos plans d'entraînement. On a parlé de faire un warm-up, ça va réduire les risques de blessures, de faire des exercices de flexibilité, ça réduit aussi les risques de blessures, et faire un programme d'entraînement de façon progressive. Ça aussi, c'est tout quand on parle des blessures évitables, ça c'est de qu'est-ce qu'on fait référence à. Pour l'entraînement, qu'est-ce qui est vraiment important en entraînement, c'est la constance, la variété. Je pense qu'on en a parlé beaucoup pendant la présentation jusqu'à maintenant, la variété des exercices. La progression aussi, c'est super important. Si vous n'êtes pas un coureur, vous voulez commencer à courir, n'allez pas faire un 10 km demain. C'est vraiment avoir une progression, puis on a parlé de la règle des 10% aussi. Modération et la sélection des exercices. La mentalité comme 0 à 100, c'est encore une fois la progression, c'est super important, et aussi la modération. Si vous vous entraînez jamais, si vous voulez être plus actif dans votre vie, puis maintenant vous passez de faire 5000 pas par jour à 15000 pas par jour pendant le restant de la semaine, là c'est sûr que votre corps n'est pas prêt pour ça. Avec la modération, on parle de modération aussi, mais ça vient aussi avec la progression. On a parlé d'objectif SMART. Quand on s'entraîne, c'est tout le temps le fun, ou c'est super important d'avoir un objectif. Quand on conduit quelque part, on conduit tout le temps pour aller vers un but spécifique, pour aller à un endroit spécifique, mais c'est vraiment pareil pour l'entraînement. Quand on a un entraînement, quand on a un objectif en tête pendant l'entraînement, que ce soit pour être plus en forme, pour la perte de poids, pour être plus performant, pour quelques raisons, pour une course, par exemple. Mais quand on a un objectif en tête, la motivation souvent vient avec aussi. Puis vous allez vous entraîner pour une raison, c'est tout le temps plus motivant. Quand aussi vous fixez votre objectif, gardez en tête l'acronyme SMART. Et aussi le principe FIT. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un programme d'entraînement, vous avez fait un entraînement en force, regardez c'est quoi la fréquence, l'intensité, le type et le temps. Quand on parle d'équipement, assurez-vous que si vous utilisez de l'équipement, vous savez comment l'utiliser pour réduire les risques de blessures. Je pense qu'on a tous vu sur YouTube, spécialement avec les entraînements faits maison. Il y a tout eu les bloopers d'entraînement qui ne sont pas super bien passés, surtout avec les élastiques de résistance. Mais c'est quand vous faites un entraînement à la maison, surtout si vous avez utilisé un nouvel équipement que vous n'avez pas vraiment utilisé avant, que c'est nouveau pour vous, assurez-vous de savoir vraiment comment l'utiliser pour réduire vos risques de blessure.
Et la nutrition aussi, quand on parle d'entraînement, ça vient main à main ensemble, la nutrition, l'entraînement. La nutrition, c'est qu'est-ce qui va donner l'essence à votre corps, le gaz à votre corps pour performer pendant vos entraînements. Si vous avez pas une bonne diète, quand je parle de diète, c'est une diète balancée avec tous les macronutriments, c'est sûr que ça va être plus dur pour votre corps de récupérer, mais aussi de performer pendant vos entraînements. Ça va optimise les performances et aussi ça améliore la récupération après les entraînements. Encore une fois, le guide alimentaire canadien, c'est vraiment une bonne référence pour avoir une diète ou une alimentation qui est équilibrée et saine. Donc, maintenant, on va parler de comment minimiser le risque de blessure pendant les entraînements. Si vous faites un exercice qui est douloureux, que vous avez de la douleur pendant que vous faites l'exercice, simplement de l'éliminer. Vous pouvez aller consulter un professionnel de la santé si vous avez besoin. Mais généralement, typiquement, quand il y a de la douleur, c'est toujours à éviter de faire l'exercice jusqu'à temps que vous pouvez aller consulter un professionnel de la santé, soit un physio, un chiro, un ostéopathe, pour vous dire la cause de la douleur, pourquoi vous avez de la douleur pendant que vous faites l'exercice. Adapter les habitudes quotidiennes, c'est d'être un peu plus actif pendant la journée, de moins être sédentaire. Maintenir la mobilité et la stabilité fondamentale, ça veut dire, on va en parler un peu plus loin dans la présentation, mais nos articulations, certaines articulations doivent être mobiles, comme nos épaules par exemple ou nos hanches, et certaines articulations doivent être plus stables, par exemple comme notre genou et notre bas du dos. Mais comme je disais, on va en parler un peu plus loin dans la présentation. S'attaquer aux asymétries, ça quand on parle d'asymétrie, on regarde droite à gauche, le côté droit de notre corps, côté gauche de notre corps. S'il y a une asymétrie, si vous faites une fente avant, si vous faites des fentes avant, vous réalisez que votre jambe droite est vraiment plus faible que votre jambe gauche, mais essayez de rectifier ça au plus vite. Le côté droit, côté gauche, ça doit être la même force. Un truc pour ça, disons si vous faites des 15 avec la jambe gauche, mais vous avez vraiment de la misère en faire avec la jambe droite, mais commencez toujours votre série avec la jambe la plus faible ou le côté le plus faible. Fait que le côté le plus fort, dans le fond, il va tout le temps s'adapter au côté le plus faible. Ou si vous êtes capable seulement d'en faire 11 fentes avec votre côté droit, mais votre côté gauche va aisément en faire 11. Mais c'est pas le cas pour l'opposé. Fait que si vous avez fait aisément 15 avec le gauche, mais votre côté droit ne sera pas capable d'en faire 15. Fait qu'assurez-vous de tout le temps commencer avec le côté le plus faible, puis là, vous allez progressivement augmenter la force de votre côté faible pour que ça soit au même niveau de l'autre côté. Portez des équipements de protection si nécessaire. Fait que ça, encore une fois, c'est super important. Quand on parle d'équipements de protection ici, on parle de, par exemple, si vous faites du vélo, portez un casque. Et finalement, choisir les exercices appropriés. Il y a une tonne de vidéos maintenant sur Facebook, surtout depuis la COVID. C'est pas parce que c'est un exercice qui a l'air vraiment cool, que ça a l'air super dur, que c'est vraiment approprié pour vous. Il y a vraiment des vidéos maintenant d'exercices qui sont super, super difficiles à faire, que 0.1% de la population qui sont capables de faire cet exercice-là. Ça veut pas dire que c'est un bon exercice, ça veut pas dire que c'est un exercice qui est adapté, approprié pour vous autres. Donc, assurez-vous de faire des bons choix dans vos exercices. Ici, on voit la colonne vertébrale, de qu'est-ce que je vous parlais plus tôt. Sur l'alignement, pour réduire le risque de blessure aussi, assurez-vous que quand vous faites un exercice, que votre corps soit vraiment bien aligné. Si vous faites une fente, par exemple, assurez-vous que votre genou est en ligne avec vos orteils, que ce ne soit pas trop vers que votre genou, quand vous baissez, ne soit pas vers l'extérieur ou l'intérieur. Ça, assurez-vous d'avoir un bon alignement. Puis ici, c'est l'exemple de la colonne vertébrale. Quand on a parlé de faire des exercices du corps, c'est super important que pour réduire le risque de blessure, que votre colonne soit dans une position neutre. Ici, à la gauche, vous avez notre colonne vertébrale est dans sa position la plus forte, la plus résistante et la plus soutenue lorsqu'elle est en position neutre. Quand vous faites vos exercices de corps, essayez de vous remémorer
les trois, comme essayez de vous imaginer votre colonne vertébrale et essayez de la garder la plus neutre possible, donc pas de flexion ou extension de la colonne vertébrale pendant les exercices de core. Comme j'ai parlé, il y a trois courbes qui est naturelle. Il y en a une qui est cervicale en haut. Vous avez en bleu, c'est la symphyse thoracique et en vert, c'est la lordose lombaire. Ici, on va parler de l'approche articulation par articulation. On en a parlé un peu plus tôt, puis j'ai dit qu'on en a parlé plus tard dans la présentation, et c'est maintenant. On va parler de l'approche articulation par articulation. Fait que dans notre corps, nos articulations, il y en a qui devraient être stables, il y en a qui devraient être mobiles. Quand on parle de mobilité, on réfère à la capacité de créer un mouvement autour de l'articulation. Quand on parle de stabilité, on parle de la capacité de résister à un mouvement indésirable autour de l'articulation. Fait que si on regarde en grosso modo les articulations qu'on a dans notre corps, si on part par les chevilles, nos chevilles devraient être mobiles, les genoux devraient être stables, les hanches devraient être mobiles, le bas du dos devrait être stable et la cage thoracique et les épaules devraient être mobiles. Comme vous avez remarqué, ça part de mobile, stable et encore mobile. C'est vraiment notre corps humain. Le corps humain il est vraiment, vraiment bien fait. C'est super intéressant. Mais encore une fois, si on a une articulation qui est supposée d'être mobile, par exemple comme la cheville, notre cheville devrait être mobile. Mais si on n'a pas la mobilité nécessaire dans notre cheville, maintenant on va demander à une autre articulation de compenser pour le manque de mobilité de la cheville. Et dans ce cas-ci, ça va être le genou. Le genou, il va bouger pour compenser pour le fait que la cheville ne peut pas assez bouger pour un mouvement qu'on a demandé. Donc maintenant, le genou va bouger, mais le genou, il est supposé être stable. Puis c'est là qu'on va commencer à avoir de la douleur. Fait que souvent, quand on a de la douleur dans le genou, par exemple, ça c'est vraiment juste un exemple, mais quand on a de la douleur dans le genou, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est le bobo, il n'est pas au genou en tant que tel, mais c'est dans l'articulation en bas ou en haut qu'il y a un problème. Fait que pour mon exemple de cheville qui n'est pas assez mobile, si on a maintenant la douleur au genou, on peut regarder c'est quoi la mobilité de notre cheville, puis si on remarque que, oh boy, ça bouge pas assez, ou ça bouge pas comme ça serait supposé de bouger, et là, c'est sûrement la cause de la douleur au genou. Par exemple, si on fait un squat, quand on fait un squat, puis on n'a pas assez de mobilité dans la cheville, c'est là que notre corps va compenser à quelque part, puis là, c'est là qu'il va avoir, disons, le genou va bouger pour être capable d'aller dans le squat qu'on veut faire un squat. Fait que c'est super important de s'assurer de qu'est-ce qui doit bouge, surtout avec les hanches. Si nos hanches sont pas mobiles, notre bas du dos va commencer à bouger pour essayer de compenser le manque de mobilité de nos hanches, et c'est là que souvent peut-être que vous allez avoir une douleur au dos. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas aucun diagnostic ici, mais souvent si vous avez de la douleur, regardez l'articulation en bas ou en haut que vous ressentez de la douleur, puis demandez-vous est-ce que c'est stable, puis là ça bouge, ou vice-versa, est-ce que c'est là ça ne bouge pas, puis ça devrait bouger. Maintenant, on va parler des blessures. Et quand est-ce qu'il faudrait aller consulter? Plutôt, on a parlé que quand vous avez de la douleur, lorsque vous faites un mouvement, c'est d'arrêter le mouvement pour aller consulter un professionnel de la santé pour savoir c'est quoi la cause de la douleur pendant le mouvement. Mais s'il y a des douleurs qui persistent, c'est vraiment important d'y porter attention et d'aller voir un professionnel de la santé pour vous dire de pourquoi vous avez de la douleur quand vous faites un mouvement. Quelques prédicteurs de blessures, ce serait si vous avez une blessure antérieure, vous êtes plus à risque de faire une blessure encore. S'il y a des asymétries, quand on a parlé du côté droit à côté gauche, s'il y a une asymétrie, s'il y a un côté plus fort que l'autre, ça c'est aussi un prédicteur de blessure. Douleur pendant les exercices, et si vous faites des modèles de mouvements dysfonctionnels. So, par exemple, dans les mouvements fonctionnels, on parlait de la fente, du squat. Si vous faites un mouvement qui est pas avec la bonne technique, dans le fond, si vous faites le même mouvement avec pas la bonne technique de façon répétitive, ça peut être un prédicteur de blessure aussi. Pour conclure avec la mobilité et la stabilité, ici c'est juste la pyramide de façon visuelle qu'on peut voir à quel point que la stabilité, la mobilité, c'est super important quand ça vient dans l'exercice parce que c'est la fondation
de l'exercice, de la fondation de votre entraînement. Assurez-vous d'avoir beaucoup de mobilité, beaucoup de stabilité avant de mettre de la puissance, avant de mettre de la force et avant de mettre, avant de faire des functional patterns, movements. Ça, c'est comme toutes les, qu'est-ce qui est en mauve ici sur la pyramide. Fait que tous les mouvements de les mouvements qui sont fonctionnels à la vie quotidienne. Fait qu'assurez-vous d'avoir la bonne stabilité dans, dans vos articulations. Assurez-vous d'avoir la bonne mobilité pour réduire vos risques de blessures. Prêtez attention à votre corps, écoutez votre corps et surveillez les signes avant-coureurs de blessures. Si vous voulez vous remettre à l'entraînement, si vous voulez vous entraîner, assurez-vous d'avoir les connaissances pour votre programme d'entraînement. Vous pouvez demander l'avis d'un professionnel, aller chercher les informations avant de commencer un programme. Vous pouvez aller voir un kinésiologiste. Si vous avez un PSP qui travaille avec vous en Europe, vous pouvez leur demander avoir des conseils, avoir des renseignements sur un programme d'entraînement. Et vous pouvez même leur demander de faire un programme d'entraînement pour vous qui va être adapté à vous. Les programmes d'entraînement, c'est vraiment beaucoup individuel parce que tout le monde a un passé, tout le monde a eu des blessures, tout le monde a eu des blessures différentes. Fait qu'un programme d'entraînement va varier de personne à personne. Fait qu'assurez-vous de dire c'est quoi vos blessures antérieures, qu'est-ce que vous voulez entraîner. Puis de là, vous pouvez avoir un bon programme d'entraînement. S'il y a des exercices que vous faites et que ça cause de la douleur, n'hésitez pas à changer ou à modifier l'exercice. Il y a personne qui veut s'entraîner en douleur. Fait que s'il y a quelque chose qui vous donne la douleur, un exercice qui vous fait de la douleur, il y a sûrement un exercice substitut qu'on peut vous donner qui ne causera pas de douleur. Finalement, créer un plan, recherche, on a parlé de fixer les objectifs. N'oubliez pas de fixer des objectifs qui sont SMART. Finalement, on va parler de la motivation. La motivation, c'est super important. Quand on parle de programme d'entraînement, il faut être motivé pour aller s'entraîner. Fait qu'essayez de vous trouver la raison de pourquoi vous vous entraînez, puis essayez de vous rappeler de cette raison-là quand que la motivation est plus ou moins là pendant cette journée-là. Que ce soit une perte de poids, que ce soit être capable de suivre vos grands-enfants pour aller jouer avec eux autres, ou pour que ce soit de battre un record personnel pendant une course. Peu importe la raison, rappelez-vous de cette raison-là, comme j'ai dit plus tôt, quand la motivation est plus ou moins là pour aller vous entraîner. J'ai lu quelque part, puis j'ai vraiment aimé cette quote-là, ça disait que les actions, passer à l'action vient avant la motivation. Fait que souvent, le monde attend d'être motivé avant de passer à l'action, avant de faire leur programme d'entraînement, avant d'aller faire une action pour leur but. Mais souvent, c'est le contraire. C'est pas la motivation qui vient en premier, mais c'est l'action qui vient en premier. So, si vous avez prévu d'aller faire une course à la fin de la journée, puis là, pendant la journée, pour X raisons, quand c'est le temps de faire la course, ça ne vous tente plus, il n'y a plus de motivation. Mais rappelez-vous que c'est l'action, passer à l'action, qui va apporter la motivation et ce n'est pas l'inverse. Quelque chose à retenir, le passer à l'action vient avant la motivation. Et puis pour le journal de bord pourrait être une bonne source de motivation aussi. Quand vous vous entraînez, essayez d'écrire qu'est-ce que vous faites comme entraînement. Prenez comme le temps de marquer c'est quoi vos séries, c'est quoi vos répétitions, c'est quoi le poids vous avez levé. Puis après une semaine ou après 3 ou 4 semaines, vous pouvez regarder la progression que vous avez faite. Souvent, les poids vont augmenter, fait que vous êtes capable de lever plus lourd. Puis ça donne la motivation parce que vous avez maintenant un succès. Fait que regardez c'est quoi vos succès, fait que c'est super important de avoir un journal de bord. Si vous recommencez à courir, mais vous pouvez marquer c'est quoi la distance, vous pouvez marquer vos temps. Puis après 4 semaines, après un mois, vous pouvez regarder c'est quoi la progression. Puis ça vous donne la motivation parce que vous allez devenir meilleur. Fait que quand on voit un succès, ça donne toujours plus de motivation. Fait qu'essayez de vraiment marquer, de tenir un journal de bord pour vous dire comment vous sentez cette journée-là, s'il y avait des barrières dans le sens que peut-être les enfants, la famille, mais c'est comme maintenant si vous identifiez vos barrières, vous êtes capable de venir avec un plan de comment, oui, ok, j'ai les enfants après l'école, mais comment pourrais-je m'arranger pour que moi je peux aller courir ou pour moi je pourrais aller m'entraîner, puis pour mon mari ou un ami vienne garder les enfants pendant ce temps-là. Fait que juste à identifier les barrières que vous anticipez qui pourraient vous mettre un stop à votre entraînement.
c'était toujours plus facile aussi de venir avec une solution après, comme pour y remédier. Et c'est maintenant tout pour la présentation aujourd'hui. Merci de votre attention. Je sais peut-être qu'il y avait beaucoup d'informations si vous remettez à l'entraînement. Il y avait beaucoup d'informations de beaucoup de nos portfolios qu'on a mis ensemble pour cette présentation-là. Peut-être que ce n'est pas de l'information nouvelle, mais ces informations-là, c'est toujours un bon reminder, des fois, à avoir. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre à la promotion de la santé ici à Trenton. Mais sinon, n'oubliez pas de boire de l'eau aussi pendant votre entraînement. On a parlé à quel point l'hydratation, c'est important. Mais si vous entraînez, n'oubliez pas de vous bien vous hydrater. Encore une fois, merci de votre attention pour cette présentation.